il n'y a pas de doute. On est fier et beau. Ouais. Hop. Voilà, c'est un peu plus resserré. Tu veux que je te le fasse? Wow. Alors attends, on va mettre ton petit... Alors Athéna, c'est un truc de toi, on te met ça. Hop. Ah génial, on a des petites poches. Et toi c'est Calice. Oui. Voilà, mademoiselle. C'est bien écrit. Yeah. Je vais confier en bas de moi. Alors, si vous voulez, pour ici, vous pouvez enlever la Charlotte. Vous n'êtes pas obligé. Miam, 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 miam. Et bien, alors, du coup, donc, l'odeur, elle passe directement, elle va sentir. Et c'est ce qu'elle vous expliquait tout à l'heure. C'est que ce qu'on va manger, ça va passer par la langue, mais ça va aussi faire ce détour. Et ça va aller dans nos récepteurs olfactifs. Et c'est ça qui fait, en fait, quand on dit on a du goût, en fait, le goût, il va dans le nez. On appelle ça du rétronasal. C'est un terme hyper pénant. Il n'y a pas de goût en plus. Alors, t'es prête à goûter? Bah vas-y, aussi, ouais. Tu peux goûter la première, on a rempli les formes, les couleurs et le goût qu'on pense que ça va avoir. Alors ça, quel goût? Je vais goûter aussi. Et t'as l'orange. Elle a quel âge? 4 ans et demi. Encore C'est quoi les chiffres des lettres là? C'est ça. Consonne. Consonne. Voyelle. Voyelle. Consonne. A. Consonne. Voyelle. O. Consonne. Elle connaît super bien les lettres. Hein. Et S. Moi j'ai deux lettres. C'est pas mal. Jack. Oh. Moi j'ai trois lettres, j'ai aïe. Donc là, vous avez des petits repères verts qui vont vous aider en fait à centrer l'empreinte. Donc on se positionne, on descend tout droit, doucement, on appuie délicatement et quand on remonte, c'est comme les pâtés de sable, on remonte tout droit d'un coup. Hop! Et là, on redescend encore à nouveau et on recommence le mouvement. Parfait là, c'est pas trop haut. Voilà. Non, tu peux monter encore un petit voilà. peu. Voilà, ces petits gars, voilà. ils vont la gêner. Voilà, tu doucement, t'appuies allez, doucement. C'est de là qu'ils vont la gêner. Parfait, c'est bon. Tu tapotes un petit peu. Vas-y, appuie doucement. Voilà, doucement. Tout. Parfait. Voilà. Ok, tu peux j'essaye de monter pas trop près. Tout droit. Mais pas trop tout droit, tout droit, tout droit. Remonte. Vas-y, enlève, enlève. Ouais. C'est pas mal, Athéna, c'est pas mal. Tu mets tes mains comme ça. Tu vois, moi je les mets, je les mets que au-dessus. Attends. Et je mets pas les petits doigts. T'es bien là, voilà. T'arrives? Prêt, feu. Allez, tu descends tout droit. Tu tapotes parfait. Doucement. Et là, quand tu remontes, hop, bien comme il faut, tout droit. Soulève, tout droit, tout droit, tout droit. Encore, d'un encore, coup. Encore. Ouais, regarde ouais. comme elle sort. Elle est lancée. On va les dépoudrer et les faire bouillir et de les dessiner. T'as le coup de main là, ça y est. C'est bon. Attends, tapote encore un petit peu là-bas. Voilà. Voilà. Et regarde comment elles sont belles, celles-là. Bien. Tada. Ouais. Parfait. Et comme ça, on peut les emporter chez nous. Yes. Voilà. Bravo, Tina. Hey. Oh. Hey. C'est joli. Une petite punaise de sécurité. Attends, pas tout de suite. On fait pas tout de suite la remontée. J'attends le sirop. C'est pas d'être trop précis. Il vaut mieux le sirop est en train de réchauffer. Tu choisis ton arôme, orange, fraise, ananas, rosé. Et après, tu choisiras ton colorant. Donc c'est une pipette d'arôme. Une pipette, okay. Jusqu'au très vert. Et voilà. Ça goûte à grande sœur ou qui est. Ça, tu peux pas le faire mettre là. Voilà. Ah, tu seras à la petite table. Faut pas que tu relâches le haut de ta pipette, d'accord? Tu relâcheras quand tu seras au-dessus. Voilà. Parfait. Une petite pipette. Je peux mettre dans la plus belle ici. Parfait. Très bien. On passe à l'étape après.
Quelle couleur tu prends? Rouge. Le colorant. Okay. Donc là, tu fais trois fois, d'accord? Ok. Jusqu'au trait. Là, pareil, tu relâcheras que quand tu seras au-dessus de la boîte. Hé, hey, dis donc. Oups. Ah, pas grave, on nettoiera tout à l'heure. Nickel. Encore une. Reste la première. Refais. Si tu veux que les autres. Voilà. Voilà. Jusqu'à celui-là. Ok, t'as compris le principe. Oui. Donc on appuie. Donc là, pareil, tu la poubelle. Et on relâche pas. Et après, tu prends ça. Tu rappuies. Tu restes filé sur le bras. Et là, tu mélanges. Sans faire trop de bulles. Attention, parce que tu fais des 8. Wow. Tu vois, c'est ta grande sœur qui va le faire. Ça sent bon. Parfait. T'as bien le coup de main. Ça monte pas du tout. Okay. C'est bien, il n'y a pas de bulles. Tu la mets où la spatule? Attends, il faut que tu calmes. Tu n'as pas des petits cordes. Garde là, on va avec ta boîte. J'en prends trois fois. Ça vient de ce côté. On va se décaler. Attention, jusqu'à l'entonnoir là. Donc attends. Là, je sais pas. Il faut que tu verses là-dedans. Je remplis mon entonnoir. Tu arrives ou et je coupe. Et relâche. Hop. Donc là, c'est bon. Je vais te montrer. On va récupérer l'entonnoir, du coup. Donc là, tu vois, c'est fermé dessous, ça coule pas. Tu vas, voilà. Bonjour. T'es où, toi? T'es là. Donc, tu le tiens par ici. Par là, regarde. Là, tu as une poignée pour ta main. Tu mets au-dessus de ton empreinte et tu appuieras ici. Donc, positionne-toi bien. Une fois que tu es bien au-dessus, tu appuies tout doucement. Ici? Ouais. Tu vas voir, ça va couler. Voilà. Et tu arrêtes d'appuyer quand tu as fini, que tu as rempli. Et tu passes au prochain. Comme ça? Parfait. Waouh, bravo. Et là, tu vas faire toutes t'as tes empreintes comme ça, d'accord? Premier bonbon. Waouh. Parfait. Remplis pas trop. Allez, vas-y. Est-ce que tu peux... Il faut que ce soit bien homogène et après je vous aiderai pour la fin. C'est bon, c'est bon. Faut pas trop que tu remplisses. Tu remplis un petit peu avant la fin du niveau. Là, c'est bon. Voilà. Parfait. C'est chouette, tu arrives à passer mon bon. T'es contente, s'il te plaît? T'as le coup de main. Ouais, ouais. Parce que il n'y a même pas de fil, c'est très bien. Et ça met combien de temps à sécher, on va dire? Ça arrive 8 heures. Mais on sera pas là, vous les. Ah ben on va vous les envoyer, on va vous les préparer, nous. Et on vous les enverra une fois qu'ils seront secs. Et du coup, je vais encore. Et une fois qu'ils seront. Petit chat, regarde. Ouh, celui-là, il est bien rempli. Alors, ce qu'il y a. Tu t'arrêtes un petit peu avant. Tu vas mettre là, c'est bon, avec moi. Il faut pas qu'il y ait le bon bébé. Parce que c'est un peu trop lourd. Voilà. Toi, tu comprends. Là, prends ton petit doigt et là, je t'explique. Attends, ne le fais pas. Quand tu vas appuyer, ça va ouvrir. Et ça va faire sortir. Vas-y, appuie. Appuie. Ouais. Oh. Moi, j'ai préparé les macarons en amont. Donc il y en a que vous allez pouvoir déguster à la fin du cours, donc c'est macarons à la fraise Tagada. C'est pour ça qu'on ici on a les fraises, et j'ai mis les fraises fraîches, donc c'est pas vraiment la saison, mais c'est parce que faire le clin d'œil à la fraise Tagada. Donc je vais vous montrer les biscuits, je les ai mis ici, hop. Voilà, qui sont bien rouges, et dessus j'ai mis du sucre rouge pour rappeler un petit peu la fraise Tagada. Donc, et à l'intérieur on va mettre une crème. Et cette crème, on va la faire à base de fraise Tagada. Donc là, c'est le résultat avant. Ce qu'on va faire ensemble, la crème, vous allez les emporter et vous les mangerez demain. On a besoin de crème liquide. On a besoin de fraise Tagada. Elles sont là. Donc vous allez devoir m'aider. Alors j'ai besoin de deux volontaires pour m'aider à faire les peser. Donc c'est vous deux et après, de toute façon, tout le monde va participer. D'accord? C'est vrai, j'ai oublié de vous faire désinfecter les mains. Avant de commencer. Oh bah, c'est pas grave. Super, alors là maintenant,
Donc si on était à la maison, on ferait chauffer au bain-marie le chocolat blanc. On rajoute au chocolat qu'on a fait fondre au bain-marie. Et on mélange tout ça. Donc on va mettre notre crème ici. Donc il me faut les fraises tagada. Vous avez que tu as pesé, tu me les mets là-dedans s'il te plaît. Voilà. Je mets tout. Super. Et donc là maintenant ça on va le chauffer. Alors, 14. Non, 15. 16. Il en manque 17. Et voilà, c'est fini. Vous prenez la boîte et vous allez sur le tout. Alors pas que tu touches, ça pousse. Voilà, ça va pousser la pesée. Oh, qui miam miam miam. Donc là ça nous fait notre base de crème. Ça a l'air bon. Allez, vas-y, verse. Je vais les faire. Chocolat blanc. Voilà. Là, maintenant, on va verser chocolat blanc, moi. Le mélange de fraises tagada. Oh, ça donne pas envie, ça. Ouais. Là, je vais rechauffer un peu de crème. Non, sinon, notre crème, elle va tourner. Voilà. Non, c'est sympa. Oh, c'est cool. Regarde, t'as un mélange. On va mettre des petits embouts. Ça s'appelle des douilles. Pourquoi ça veut dire ? Hop. J'ai plus mon étiquette. Donc moi là contrairement j'avais pas de citron. Oui j'ai rajouté un petit peu de citron. Tu peux goûter si vous voulez. On peut en prendre un? Allez-y, c'est fait exprès. Merci. Oh, une fois que tu as terminé, c'est ça. Ce qu'on est en train de faire, ça donne ça là. Alors nous, en plus, on rajoutera la petite tagada par-dessus, histoire que ça ressort vraiment... Ah bah, forcément. Looké tagada. Allez. Miam, miam, miam. Oui, bah, c'est fait exprès. Tout le monde en a vu. Trop bon. Et au milieu, il y a la petite fraise. C'est bon, Caïs? Ce qui est là, c'est mes parties. Le tagada? Non, pas moi. C'est bon, Athéna? Oui. Donc, pour tenir la poche, on appuie en haut. Et on glisse simplement. Des fois, faut que j'arrête. Ok. Voilà. Hop là. Là, toi, tu serres. Comme ça, tu peux faire la pression. Enfin, tu serres. Voilà, juste comme ça. Et là. Alors, en fait, il faut que tu mettes ta main ici. Parce que sinon, tu vois pas ce que tu fais. Voilà, là, tu verras. Donc, tu te mets bien là. Mets-toi bien droite. Super. Très bien. Là, je te retiens. Merci. Là, ta fille. Lily. Très bien. C'est super. Top. Voilà. Quelle à droite? Les petites boîtes, elles sont là. Sinon, après, je pouvais une grande boîte, mais. Oh. Attendez, avant de les manger. Sinon, attendez. On peut lui donner une boîte de bureau. Voilà. Petite touche finale. Non, moi, c'est. Voilà. Attends. Une. Ah, ils sont fun, hein. Ils sont trop fun. Hein. Oh, beau câlin. Ouais, coucou. Bravo. Et vous pouvez faire un bisou, hein. Waouh. Il y a des bonbons. Oh, délire parti. Oh, c'est trop bien. Il y a plein de bonbons. Délire parti. On va pouvoir faire ça dans le train. Voilà. C'est la même famille là, les trois ou pas? J'y vais aussi. Merci. La carte. Ok. On en fait une dernière. Une dernière. C'est fait pour voir les effets, si vous voulez. Ah ça, c'est un gros chamallow. À mon avis, tu vas pas tout manger aujourd'hui, hein. Oh là 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 là, le gros chamallow. Je vais monter dessus. Vous êtes monté sur un chamallow? Oui. Elle oui. Est belle la vue? Ka, je tape le chamallow. Alors là, c'est trop bien sur le chamallow. Hé, hey, Calice, t'as pas plu cette petite journée? Ah oui. Et pour Calice, et pour Tina, un gros chocolat. C'est bon le chocolat. Tu t'es mouillé. Ça te fait rire? Ouais. Aïe, oh, hop, un, drôle. Deux, trois. Oui.